Salut tout le monde, les bonnes soirées 51 à vous tous, de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002, en mode expédition, et ce coup-ci en plein air. Alors cette expédition, nous avons décidé de la faire sur le 27-625, sur la fréquence des Québécois, histoire de faire un petit clin d'œil à nos cousins. Alors, qui sommes-nous? Alors, nous sommes l'association FFODR. C'est marqué, là. Là, là. Voilà, du forum Les Ondes du Routier, qui est ouvert, bien entendu, à tout le monde. Bon, on va essayer de ne pas trop réveiller les autochtones, les écureuils, les chevreuils, et ainsi de suite. Je vais démarrer le groupe. Pour le sud-ouest de France. Oui, Alex. Oui, les bonnes 73 à vous tous, de 14 Oscar Delta Romeo 002, en mode expédition sur le secteur de Saint-Émilion. Ok, surveille les vols habitués, 14 Victor et Corel 7, l'opérateur Eric, il y a l'avion, non, ça passe fort et clair, voilà. Je vais savoir les bons chiffres, et je suis en compagnie de Vincent, qui est à oui, 14 Victor India 03, opérateur VSM, QTH belge près de Bordeaux. Voilà, je te reçois très fort. Voilà, mais on s'était rencontré chez Radio 33, là, et tu m'avais aidé à charger le matériel dans le coffre. Je pense que tu revois, tu t'imagines de qui il s'agit, non? Affirmatif, c'était avec un grand plaisir de te rendre service ce jour-là. Voilà, mais je ne pensais pas te réentendre là-dessus. Ah, puis en plus, et j'habite pas très loin. Là, je suis sur le secteur là, de Saint-Émilion, plus précisément sur un point haut au niveau d'un petit village qui s'appelle Sainte-Colombe. Bon, c'est à 12 km à ouest-sud-ouest de Saint-Émilion, 5 km nord-ouest de Castillon-la-Bataille. Et là, je suis en plein air, branché sur un groupe électrogène. On entend peut-être le ronronnement derrière là, du groupe, un ronronnement très léger. Non, de mon côté, je ne l'entends pas. Rassure-toi, je ne l'entends pas. Il y avait avec moi l'opérateur Jean-Claude, j'ignore s'il est toujours à l'écoute. Je vais lui laisser un blanc. Ben, bonjour, je suis à l'écoute, les amis. Merci Vincent pour ton micro. Bonjour Rémi et les amitiés. On est au GDS 294, Jean-Claude, sur le nord de Bordeaux, en proximité du point d'Aquitaine. Alors, la seule chose que je puis dire, bon contact, hein, bon contact pour l'activation, Rémi, retour de micro. Ok, merci. Apparemment, ça a l'air de bien fonctionner pour tout le monde. J'ai entendu Gilles derrière. Eh bien, justement, cette expédition improvisée là, que je fais sur le sud-ouest, là, sur le secteur de Saint-Émilion, leur est un petit peu dédiée. C'est un petit clin d'œil que je leur fais là par la même occasion, car eux aussi sont également en mode expédition sur la glace.
avec des températures qui sont quand même pas mal basses, alors que moi, là, c'est presque l'été ici, je suis au soleil. C'est identique sur Bordeaux, hein, c'est identique sur Bordeaux. Oui, QSL, ici, le Rémi, le moins, ici, c'est 9, bravo, Charlie, 595, ici, opérateur Martin, là, désolé pour le petit moment, là, mais ici, Gilles est à l'écoute aussi, là. Ok, 9, bravo Charlie, 595, les bonnes 1351 à vous. J'espère que vous n'avez pas trop froid de vos côtés, et j'espère aussi que vous me recevez dans de bonnes conditions. Si vous m'entendez un petit peu faible, je peux mettre un peu plus de confort, il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Bon, voilà, j'ai mis un petit peu plus. Voilà, j'ai monté d'un cran, mais j'irai pas au-delà. Après, c'est toute la câblerie électrique qu'il faut que je change pour mettre de la haute tension à la place. Un chi trois coups. Moins 21. Ah oui, ça fait un petit peu frais quand même. Je ne saurais pas vous dire. C'est vrai, j'ai oublié d'emmener un thermomètre avec moi. Les prévisions vont sur une température de 6 degrés là sur le sud-ouest. Et pour nous, là, il est exactement 14h17, autrement dit 2h17 PM, pour ici, là, pour nous, là, sur le sud-ouest. Oui, QSL, ici, nous, là, ce matin, nous, allié 8h16 le matin, ici, sur notre côté, là, Rémi. Eh oui, voilà, ça montre bien le décalage horaire qu'il y a. Bon, j'espère que vous êtes dans la cabane avec toute l'équipe. Non, QSL, on n'est pas avec, sur la cabane avec toute l'équipe, là, mais c'est ça, on est à la maison ce matin, là, au chaud, là. Ah si, vous trichez. Ah, je plaisante. C'est sûr qu'avec des températures comme vous avez, là, je comprends largement. Pour marquer le coup, je fais en même temps là actuellement une petite vidéo que j'irai mettre sur le groupe, que je retrouve le nom, attendez, que je cherche un petit peu. Je suis en même temps connecté là sur internet. Voilà, le modernisme a suivi jusque là, alors que là je suis carrément en pleine nature, en plein milieu des vignes là du secteur de Saint-Émilion. Je suis bien là, au soleil. Oui, donc je disais donc que je mettrai la vidéo ensuite sur le groupe de Tanon du canal 27625 sur Facebook. Oui, que c'est Rémi. Avec la permission, là, on va regarder si 9 bravo Charlie 555 est à l'écoute, puis on va faire continuer. Oui, que c'est parfait, là, pas de problème. C'est ça, Rémi, ben, on est au poste, mon ami, avec votre activation, puis. C'est dans quel groupe qui sont sur pêche sur place, Rémi? Alors, moi, là, je suis tout seul. Je suis complètement tout seul, là, sur l'expédition. Eh bien, c'est le forum Les Ondes du Routier, autrement dit l'association FFODR, ou si tu préfères, Gilles, le groupe Facebook. Attends, j'attends que la connexion se fasse. Le groupe Facebook DX Division 14 ODR, où tu es également dessus. Voilà, c'est nous là qui faisons cette association, et moi là ici en solo sur le sud-ouest. Ah, j'ai pas mal de QRM là ici, là j'ai une montée de QRM, ce qui fait que du coup j'ai tendance à te perdre, Gilles. J'en profite pour envoyer en même temps les 2073, 51, 88, enfin bref, la bonne année à tout l'ensemble du groupe là qu'il y a dans la cabane. Ah, j'ai 6 points de QRM là de mon côté, 6-7 points de QRM, là c'est pas évident. Comme quoi, hein, dès qu'on prend de la hauteur, eh bien, on prend tout avec. Hein. Ok Gilles, autrement, est-ce que tu m'entends bien de mon côté? De mon côté, malgré les QRM, ça serait du 45.
Mais à cause des QRM. Mais tu passes super bien, tu te rendras compte là sur la vidéo, on t'entend bien quand même. Hein. Oui, QSL, mais pourquoi est-ce que tu es arrivé avec des pics de 56-57 tout le temps, les passages? Mais ça sûr, je vois que la propagation n'est pas tout à fait à son meilleur. Ouais, effectivement, c'est pas terrible. Et en plus de ça, c'est bien dommage que j'ai un gros bruit là derrière, là, je sais pas trop ce que c'est. Là, j'ai un gros QRM. Enfin bon, c'est pas grave, on fait avec. Ah là, la propagation est en train de baisser, là, je suis en train de te perdre, Gilles. Oui, j'ai entendu d'autres stations qu'on briquait pour les deux activations des X qu'il y a en même temps sur sa fréquence. Alors le break a briqué. Il y a l'expédition DX là depuis samedi là sur le Québec, là sur la glace dans une cabane, par des températures de moins 20, moins 30 autour de ça. Et moi là exceptionnellement cet après-midi sur le secteur de Libourne, sud-ouest France, en avant le break. Ok, 73 à tous, ici 14 Charlie Delta 47, le nord de Lot-et-Garonne. Merci, j'ai bien pris note de ton indicatif, 14 Charlie Delta 47, du sud-ouest France également, mais beaucoup plus au sud. Eh bien, ça passe relativement bien, c'est du 55 là de mon côté, les 2713-51 à toi, merci de ton petit coucou. Excuse-moi, ah ben ça y est, ça doit être la froideur du Québec qui m'atteint. Je vais faire un petit retour du côté du Québec pour qu'il puisse vous envoyer également les 2713 de la journée. Charlie Delta 47, je n'ai pas eu le prénom, mais il n'y a pas de souci, là, peu près à vous, Charlie 555, Gilles de Gatineau, vous salue mon ami. Oui, 14 Charlie Delta 47, avez-vous la copie du Québec là de 9 Bravo Charlie 555 Gilles, qui est en ce moment en plein sur la glace. Il se plie en 4 pour vous, pour pouvoir vous avoir en fréquence. Ok, merci pour le retour du micro. Eh bien justement, Gilles, 9 Bravo Charlie 555 vous envoie les 2713-51 et vous a entendu faiblement, mais vous a entendu quand même. Ouais, ben on va faire entrer les autres stations. Les autres stations pour l'expédition DX Québec du 625, du 27-625, plus l'expédition DX du sud-ouest de France, 7h-Saint-Émilion, en avant. J'ai pas tout compris, c'est pas mal dans les QRM, j'ai bien reçu l'Italie, les 2713-51 à vous, du sud-ouest France, secteur Saint-Émilion, en expédition, plus l'expédition québécoise qui est actuellement sur la glace, c'est-à-dire Gilles, qui est actuellement dans une cabane. Donc je vais faire un retour de micro, car je suppose qu'il vous a entendu. Retour Gilles. Thank you.
pas eu le prénom ici. Il était remis au Juliette 5-0, qui est un. Et en avant les stations pour la double expédition sud-ouest de France et québécoise. Ah, on dirait que la propagation a chuté un petit peu là pour le moment. Bon, attention les stations en fréquence pour l'expédition des X québécoise sur le secteur de Gatineau dans une cabane sur la glace, plus l'expédition des X sur le sud-ouest de France, secteur Saint-Émilion, en avant les stations. Ok, bien reçu pour le secteur de Saint-Émilion, les 2713-51 à vous de la part de 14 Oscar Delta Romeo 002, prénom Rémi, QRZ local d'Andy 33 si des fois vous faites du local. Mais les stations importantes, hein, c'est toujours ça, hein, ils passent toujours très très fort. Hein. Et en plus de ça, n'empêche que j'aimerais bien voir quand même de près, là, comment. J'ai vu des photos là sur internet là, de leur expédition, là, de leur installation là, dans la cabane. Eh bien bravo. Hein. Et puis il y a l'air d'y avoir une sacrée ambiance quand même là-bas. Hein. Affirmatif, mais pour le soleil, là il est parti le soleil, il est parti en déconfiture le soleil. Donc là je suis dehors sur une tête de camping, installé là sous les arbres à côté des vignes, là sur un point haut là de Sainte-Colombe, pas très loin de Saint-Émilion. Et bien je prends l'air, là je confirme, je prends l'air. Et j'ai pas trop chaud aux mains là pour le coup. Ah oui, j'entends crachoter derrière, oui, effectivement. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Allez, la bonne continuation, et bon courage, et puis surtout, attrapez pas froid, hein. Allez, de toute façon, je pense que vous passerez quelques photos sur votre blog sur Skyrock. Oui, affirmatif, ça sera diffusé partout, hein. Photos, vidéos, sur Skyrock, sur mes autres blogs également, sur Facebook, sur le forum Les Ondes du Routier,
Ça sera diffusé partout, il n'y a pas de problème, photo comme, comme vidéo. Hein. Et pendant que je tiens le micro, pour les stations qui sont à l'écoute, et bien de mon côté, la station pour les expéditions se compose d'un Summer Camp TS2000DX, accompagné d'un des vitamines, voilà. Plus, pour supporter tout ça, j'ai une alimentation de 50 ampères. Et côté aérien, c'est une verticale, une président Himalaya qui est perchée à 6 mètres de haut, le tout installé dans la remorque. Vous avez déjà pu voir des photos justement sur internet là, de cette installation dans la remorque. Alors en plus, ce coup-ci, par rapport aux précédentes photos, j'ai le groupe électrogène un 7 kW là, qui est posé dans la remorque avec l'antenne. Et non, et non, et non, je l'ai sur la tête. D'ailleurs, j'ai fait un petit speech au début de la vidéo. C'est pour ça que j'avais marqué 14h là sur internet là pour le lancement de l'expédition de mon côté. J'ai eu un petit peu de retard car justement j'étais en train de faire un petit speech avec avec le démarrage en silence du groupe électrogène. Je vous laisserai découvrir ça là quand j'aurai monté tout ça quoi. Oh, tu fais confiance, Rémi. Ouais, ok, Eric. Pascal, 14 Oscar Delta Romeo 001, a pu hier apprécier au téléphone le silence du groupe électrogène. Hachis trois coups. Ça a l'air de bien démarrer cette expédition, voilà. J'espère que ça va continuer toute l'après-midi, Rémi. Ok, ben je vous ai entendu là tous les deux là. J'ai pourtant pas la stéréo, mais c'est passé quand même. Ok, ben non, moi je suis qu'en verticale. Là, disons que le choix de la verticale, c'est pour un montage plus rapide. Hein. C'est une technique de feignant, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. Voilà, mais c'est vrai qu'une directive serait pas mal. Mais bon, ça m'obligerait à chaque fois à tourner tout azimut. Ou alors quatre directives, quatre points cardinaux. Non, là je raconte des conneries. Hein. Ok, d'accord. Eh bien, ça marche bien. La famille Michel, c'est la tour de contrôle du Blayer. Ah oui, je vois ça. Par contre, j'ai QRX quelques secondes. Je vais chercher les gants dans la voiture parce que là, je me pèle. Mais ça fonctionne très bien sur Gatineau, Rémi. Le petit cousin, il passe toujours aussi bien. Les amis qui agissent et à Marcel, voilà. Eric de Bordeaux, toujours à l'écoute. À vous, les petits cousins. Bonjour Eric de Bordeaux, les bons chiffres civilisés, mon ami, comment vas-tu ce matin? C'est impeccable. Moi, je suis sous le soleil, voilà. J'ai entendu tout à l'heure que c'était les températures là-bas, de votre côté, de moins 20 ou moins 21, mais c'est pas quand même le même froid, je pense que ça doit cailler, c'est sûr. Mais bon, vous êtes toujours à l'exposition aussi? Ah mais je ne la fais pas tout seul, j'ai aussi le Québec avec moi. Le Québec, je fais cette petite expédition en solo de mon côté, histoire de vous faire un petit clin d'œil, car on est quand même cousins, hein, faut pas l'oublier. Hachis, les petits cousins du Québec, on les aime. Voilà pourquoi je fais cette expédition aujourd'hui. Alors de votre côté aussi, là, faudrait prendre un peu le micro. D'habitude, vous êtes beaucoup plus bavard. Ah oui, d'accord. Ah, c'est. J'ai pas pu faire cette expédition plus tôt, car j'étais en train de retaper une voiture chez moi là pour le fiston. Donc, il apprend ce week-end. Donc, j'ai passé tout mon temps en dehors du travail, évidemment.
à retaper cette voiture, ce qui fait que du coup j'ai pas pu, pourtant c'est pas l'envie qui me manquait de lancer cette expédition. Mais là aujourd'hui c'est très bien, c'est parfait parce que là on a du soleil. Alors que par contre ces jours derniers c'était sous la pluie et là je vois pas trop, j'ai pas trop de solution là. Si, à part à être enfermé dans la voiture, mais c'est moins drôle. J'espère que t'as prévu le café, oui. Non, mais j'ai prévu la bière. Avec modération. Ah oui, et d'ailleurs. Attends, voilà, ok, je reviens. Je la montre, voilà. Une petite bière pour me réchauffer. On verra bien si ça marche. Michel 557, ici mon ami. 9 Bravo Charlie 555, Gilles, ici Michel, à toi. Oui, bonjour, Gilles, là, voilà, ici, là, même en dehors de vos Non, de mon côté, voilà, je suis toujours là. Je suis en même temps connecté là sur Internet. Voilà, et je suis en train de répondre et de répondre à quelqu'un. Et comme je suis un mec, eh bien, je sais pas faire deux choses en même temps. Je suis trois coups. Ouais, ben c'est pas trop évident, Rémi, hein. La caméra et tout, la radio et puis à plus répondre à l'Internet. Oh là là. Ouais. Ah mais ça, c'est rien, je fais pire que ça. Pour anecdote, des fois, bon, le matin en débauchant ou le soir en embauchant, peu importe, je suis en mobile, je suis en QSO, je suis en train de filmer et je suis en train de passer les vitesses et tenir le volant. Certains se demandent combien j'ai de mains. Ouais. Ben, le problème c'est que je ne sais pas compter à plus de 2. Alors, je peux pas répondre à la question. Oh là 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 là, mon Rémi, c'est dangereux, ça. Oui, je confirme. Il y a eu bien prendre des risques, hein. Aïe, aïe, c'est vrai que c'est dangereux. Ah, mais quand on veut faire plaisir à tout le monde, hein, on se plie en quatre, hein. On a juste le front, ça, le front, mais je vais mettre la caméra. Nous allons lui donner la porte. Qui est-ce qui, s'il vous plaît, qui appelle? Ah, la gueule, ici, c'est là, sur les mics 001, qui est social, sur la fréquence, ça peut changer. Oui, qui est-elle, le 9, Charlie Mike 001, Jean-Claude 73. On est avec Rémi sur l'expédition de je sais pas si tu as vu, le logo à notre ami Rémi sur le site. Alors, on est sur l'expédition de Rémi, 14 Oscar, Romeo Delta. QSK. Roger, ok, merci de l'information. Salutations à tous les cousins côté de l'Europe. Et puis, ok, à ton concert d'arrivée. Alors, j'ai retourné ça à Gilles pour que je puisse bien m'informer et aller voir sur le site aussi également. Retour à Gilles. QSL, merci Jean-Claude. On a un QSK ici en avant, QSK. Oui, bonjour, ici, là, bravo Charlie. CC6, opérateur Steve sur le côté, 73, les amis français, infirmiers, là, sur le côté. Oui, les bandes 73, à vous, j'ai pas eu le temps de noter l'indicatif. Les bandes 73, à vous, de 14 Oscar Delta Romeo 002, opérateur Rémi, en mode expédition et en plein air, au soleil, à l'ombre des arbres, sur le secteur de Saint-Émilion, sud-ouest de France. Oui, copie, Rémi, là.
376 à toi là, et ta famille. Ici c'est 9, bravo Charlie, 666, opérateur Steve. Ok Steve, c'est bien noté. Voilà, en même temps, je marque tous les indicatifs là, que je copie là sur un cahier, c'est la moindre des choses. Hein. Parce que bon, j'ai une mémoire de poisson rouge. C'est quoi votre indicatif? Non, je plaisante. 9, bravo Charlie, 666. Eh bien, vous passez très fort là sur le sud-ouest.